Ok. Tu fais quoi là? Allez, hop, non mais hop, allez, venez ici les amis. Ouais, je vais vous proposer mon nouveau projet. Bon, les amis, on est tous d'accord pour dire que les youtubeurs sont des mecs qui font quoi? Ils font quoi les youtubeurs? Ils mentent! Ils mentent et ils font quoi d'autre? Ils mentent et ils trichent, infuse! Non, enfin, moi, je. Bah non, mais je sais. Enfin, je triche pareil moi. Ouais, c'est vrai qu'on triche tous pareil. Tout moi, hein. Bon, avant de terminer des carrières, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Si vous voulez faire partie de tous ces beaux gosses, eh bah tu t'abonnes et tu mets ton like. Allez, bonne vidéo mon gars! Les mecs, aujourd'hui. Je suis pas en costard pour absolument rien. Parce que là, on va exposer. Tu te fous de ma gueule? Pourquoi il rigole? Tu veux quoi? Je suis pas en costard pour absolument rien. On va exposer des youtubeurs qui font du putaclic. Quoi? Oh là là. Bon, oh, je suis pas très bien placé, les amis. Le drama. Mais là, on va prendre. Est-ce que vous connaissez Chastop? Non. Un youtubeur qui putaclic. En plein sa gueule. Allez, on commence, les mecs. Je vous mets le lien YouTube. Vous voyez cette première miniature? Est-ce que vous la voyez? Ouais, c'est Pukidrako, ça. Non, c'est Soran. Wesh. Oh, mais ah, ça, c'est toi, ça. Les amis, actuellement, c'est une vidéo de Soran. Donc, c'est une miniature où il testait des astuces en redstone. Donc, là, allez à vos buzzers et vous me dites si c'est possible de changer, on va dire limite en rainbow, la couleur du beacon. Allez-y, vous pouvez y aller, je vous regarde. Avec les pistons, hein. Avec les pistons, avec tout, bah, tout ce qui existe. 3, 2, 1, go! Donc pour vous c'est faux? Ouais, pour moi c'est faux parce que ça me paraît bizarre que, enfin, cette histoire là avec des pistons, c'est mais pas non, mais bien. Oh, oh les gars, oh, vous calmez tout de suite, ok? Mais salut, se calmer, moi j'ai rien dit. Ouais, si on a besoin de parler, on va dans la cabine de la télé-réalité, d'accord? Ok, tu vas dans la cabine. Bon, déjà, je sais pas pour qui il se prend l'autre avec sa vieille chemise dégueulasse. Je fais ce que je veux, si j'ai le droit de le dire là-bas, je le dis là-bas en fait. Du coup, bah, pour moi c'est faux, voilà, ce passe là. Bon, il est complètement bête, hein, on va voir après. Là, il a mis la même réponse que moi, je suis sûr qu'il triche. Ok, donc là vous allez voir si Soran est un menteur ou quelqu'un d'honnête. Donc ça va être très simple. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, boum. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a une genre de machine avec un beacon, avec différents verres, bah, de différentes couleurs, quoi. Donc là, ça va être simple. Est-ce que les couleurs vont pouvoir changer en mode rainbow? Donc vous savez quoi? 3, 2, 1, boum, j'appuie, et là, et bah ouais, ça fonctionne. Franchement, quoi? Ce n'est pas du putain. Mais c'est pas la même chose! Non, bah, si! Attends, mais mettez-nous sa miniature! Est-ce que c'est ça? Non, mais vous avez compris! Bah, vous savez quoi, les mecs, dans les commentaires, n'hésitez pas à m'aiguiller. Est-ce que c'est moi qui ai fait n'importe quoi? Mais je suis désolé, les gars, c'est scandaleux! Qu'est-ce qu'il a fait, la Lined, là? Il nous fait perdre des points comme ça? Non, mais Lined est bourré, je vois qu'une seule solution! Comment il a pu penser que c'était la même chose? Bon, bah, les mecs, je suis désolé, mais bah, vous savez quoi, ce point-là ne comptera pas. Ok, allez, on passe à la suivante. La deuxième miniature qui est bien évidemment de Fuse 3. Oh. Est-ce que vous pensez que c'est réel? Allez, à vos buzzers les amis. Allez, je fais le décompte. 3, 2, 1, boum. Oh. Et pourquoi? C'est Fuse 3. C'est pas Soran là. On est d'accord qu'il y a... Le mec, c'est série modée sur série modée. Le on mec, parle il d'un connaît piston, que des modes. Mais on parle d'un piston qui est en train de... Mais attendez. Il a un problème avec le mode Create Fuse. Il utilise toujours ce mode. Ouais. Je pense qu'il y a, un peu de Create là-dedans. Oui, et en plus ça, il utilise le mode... Et du coup, à chaque... Bah, moi, personnellement, je trouve scandaleux le fait que Shawin, à chaque vidéo, il commence à attaquer Fuse. Fuse, il est gentil, il a rien demandé. À chaque fois, il se permet de faire le mec, j'en ai marre. Bah, et moi, les gars, Fuse et moi, c'est une histoire d'amour, quoi. Donc, voilà, c'est pour ça que je rigole avec lui, quoi. On rigole. Et la réponse est, il ne fera absolument jamais ce qu'il a fait dans la mienne de Fuse. C'est impossible. Quoi? Fuse a menti? Non. Non, Fuse, il a pas fait ça. Bah, je suis déçu, franchement. Bah, tu ne crois pas en Fuse, t'es vraiment une merde à ce passe, parce que regarde-moi ça. Eh ben non, je rigole, boum boum oh boum. C'est bien évidemment très très faisable, check-moi ça, là. Donc si vous avez eu tort, il faut avoir confiance en Fuse. Fuse n'est pas là pour nous trahir, vive Fuse. Mais voilà, tu vois, tu pensais la même chose que moi. Je veux pas dire, mais Aspaz, c'est désolidarisé de Fuse. Mais excuse-moi, tu me dis que c'est faux, moi je te fais plus confiance que Fuse. Ah ouais, merci. Donc là, c'est la miniature d'un mec qui s'appelle Preston's Play. En gros, c'est le fait de sauter de plus de 5 blocs de distance. Est-ce que c'est possible? Il a une belle bouche. J'aperçois une carie, là. Ah, moi aussi. Oh, allez. Ouais. Oh, il y a du tartre. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon, attends, c'est bon, c'est bon. Pas, c'est bon, c'est bon. Toi, c'est que t'as du tartre. Mais je n'ai pas de tartre, par contre, je vais te mettre une tarte. Allez, Aspaz. Non, bah c'est. Allez, bref. 3, 2, 1. Ok. Je pense qu'il a utilisé du slime. Mais Shawin, t'as rien compris. Il a rien utilisé. J'ai vu une vidéo de Dream qui expliquait que c'était possible. Bah là, j'ai mis le Dream français. Écoutez-moi ça, les mecs. Regardez-moi ça. Ah, oh ouais. Allez, Kai. Allez, oh, Kai. Allez, Kai. Allez, Kai. Let's go. Oh, 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 oh. Oh, 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 o
Sérieux, j'ai passé tellement de temps. C'est littéralement insane. Attends, mais carré, aux Jeux Olympiques 2024 là. Là, je dirais même, c'est carré. Bon, allez, tu sors. Tu sors. Ah, mais là, il est au bout d'un moment là. Ces blagues éclatées là, il me fout Lane. J'en ai marre, wesh. On est dans les vidéos de Lined ou du Pape François. Ah, ça a aucun rapport. Donc là, actuellement, vous voyez, on va dire, un genre de piston avec un barreau de Lane. Et c'est le fait de pouvoir faire apparaître des diamants dès lors que bah, le barreau, bam, il touche. Poké, ça. Ouais, c'est une autre Poké. Donc, est-ce que Poké est une menteuse? Là, en tout cas, je peux dire qu'il y a un de vous deux qui a faux. Ah bah, c'est sûr, c'est Shawen. Mais s'il y avait ça réellement, enfin, ça serait trop connu. La personne connaît cette astuce, là. Oui, mais c'est Poké Draco. Et moi, j'ai confiance en 10 000% en Poké Draco. Cette astuce, pas cette astuce. T'es en train de faire un sort, là. Ferme-la. Non, mais là, avec ses testastos, là, je comprends pas ce qu'il me raconte à ce poste. C'est un druide. C'est un templier, je comprends pas. Mais ferme-la, wesh, tu veux quoi? Mais les mecs, waouh. C'est censé être du love. Ok, ok. Nous voici devant le petit putaclic. Ou pas putaclic de Poké Draco. Ok, donc là, la réponse va être très simple. Je vais simplement activer le piston. Donc là, je vais l'activer, boum. Okay. Le piston, il est en train de péter un plomb. Et là, est-ce que vous êtes prêts pour voir si ça va marcher ou si ça ne va pas marcher? 3, 2, 1, boum. Et ouais, ça fonctionne. Bon. Elle n'a pas de putaclic. Voilà. Est-ce que vous voyez cette petite miniature de A-Stream? Oh lolo. Attends, mais est-ce que c'est possible, si on allume, on va dire, les flammes comme Johnny, on peut avoir, on va dire, un genre de life hack comme ça? Ok, bah pourquoi vous avez répondu ça? L'erreur. Du coup, bah on va tenter, donc je fais ça, je vais mettre l'armor stand, et là je mets les Elytras. Et là maintenant, est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, boum! Ah bah ça marche pas, ça ne fonctionne pas. Chef, allez, pas la map, bolosse. Franchement, je suis abattu, quoi. C'est, enfin voilà, quoi. Et en plus de ça, il pue, quoi. Enfin voilà, faut quand même parler de son odeur, quoi. Il pue la merde. Shawen, depuis qu'il a pris du poids avec son gros nombril qui ressort, il est devenu con. Oh, tu rigoles pas pendant les interviews, là. Je suis désolé, chef. Boum. Est-ce que c'est possible de faire ceci? Alors, en vrai, c'est simple. C'est simplement, on va dire, des cartes qui font un whooping avec un villageois. Ok, d'accord. Ok, bon, allez. 2. 1, à vos votes. Ok, vous pouvez venir. Moi, je pense que c'est faux. Parce que c'est le même mec que la dernière fois. Oui, je les ai menti. Voilà, je me suis fait avoir une fois, pas deux fois. Bon, est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, Booba Banks. Ouais, bon, est-ce que là déjà vous avez un peu peur, hein? En vrai de vrai. Oui, mais c'est pas la même chose que la miniature là, parce que ça c'est ah ouais. Non, mais t'as compris le principe, quoi, c'est réalisable, quoi. Oh, mais, ouais. Vous pouvez le voir, bah c'est okay. Des genres de. Bah, on va dire un villageois qui a tête à l'envers. Bah, ouais, oui, bah regarde, vous êtes vraiment malin. Maintenant la question c'est, est-ce que si je pose un petit wagonnet X, le petit villageois, je le fais rentrer dedans, est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1. Boum! Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va le faire? Et la réponse est oui. Il est en Y, il est comme Joule. Donc voilà, donc, si t'as répondu là. Bah, je suis désolé, mais vous avez tous les deux tort. Mais quoi? C'est-à-dire que là, on est à un partout là encore. Enfin, on est au nul, début, ouais. On trouvait bon au début. Ah non, ah non. Bon, arrêtez de me regarder comme ça. Ah, là, je suspecte d'avoir invité la bouteille de Ricœur là. Je comprends pas. Il dit raconte n'importe quoi, ça se passe. J'ai appelé sa mère pour qu'il aille chez l'orthophoniste. Elle répond pas. Mais c'est bon, pourquoi il dit je suis bourré? Je suis pas bourré. Tu sais, une goutte d'alcool, hein. Je voulais que j'y prouve. Poupée. C'est pas du sérieux, ça se passe. Qu'est-ce que tu me fais là? Du quoi? Bois ça, hop là, prends ça. Ah, faut le faire vomir encore là. Non, c'est bon. Il va encore boucher les chiottes. Boum. Donc en gros, c'est un mec qui fait un chute. C'est Preston Plays. En gros, c'est simplement le fait, est-ce que c'est possible, bah, de mettre une porte qui est, bah, comme ça. Comme ça, voilà. À vos votes. Ok, vous pouvez venir. Oui, moi, bah, je pense franchement, qu'il y a un debug stick. Multicore, il avait fait une vidéo là où la terre, elle était écrasée. Et je me rappelle de sa vidéo, il faisait point, 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 camembert, point, point, point. Ah, ah oui, je me rappelle. Non, mais ça, c'est toutes ces vidéos, ça. Vidéo. Ah là là, pour ce coup-là, j'espère que vous avez mis la bonne réponse. Hein, parce que là, je pense que vous êtes choqué. Hein. Là, j'y vais en marche arrière parce que est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, boum. Oh oui! Oh, est-ce que vous êtes contents, les mecs? Bah, j'avais raison, oui! Et bah, oui. Ne soyez pas contents, parce que ça arrive! Oui, comme vous pouvez le voir, bah, c'est bien faisable de mettre une porte au sol. Donc, si t'as eu la mauvaise réponse, bah, c'est que t'avais tout bon finalement. Parce que regardez-moi ça, c'est simplement des trappes. Donc, si j'enlève le pack de textures, et bah, oh, ça merde. Fait ça. Donc, c'est pas faisable. Voilà, donc franchement, je suis déçu de vous. Illégal? Oui. Allez, les mecs, la miniature est exactement comme ça. Bon, là, je pense que là, Aspaz, il va avoir la bonne réponse. Oh, c'est la ref. Il y avait aucune ref, hein, t'as un problème, toi. Bah, si, c'est illégal pour toi d'aller se payer. Bon, allez. Vous pouvez venir. Pour elle changer son vote. On va voir exactement si Fuse est un okay, menteur. Ok, les mecs. Bon, là, on va voir s'il est possible de faire un cercle de façon legit exactement ici. Bon, après, je vous l'accorde, des command blocks, c'est pas très legit. Mais si je fais ceci, donc là, ça va commencer à faire un petit cercle. Voilà, mais ce voilà n'est absolument pas tout. Et là, boum, le deuxième. Et là, vous voilà allez voir, ça va faire un vrai cercle. Un cercle. La miniature est fausse. Tous les youtubeurs qui mettent illégal, interdit. Mais c'est pas interdit. Regarde, tu l'as fait. Mais ouais, mais il y avait pas la police, hein. Ça, je peux te l'assurer dans la vidéo. Non, c'est bon, j'en ai marre de lui. Il a un humour de merde. Fin de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner. Oui, yeah. Et de liker. Sinon, ça va chier. Oui, ça va chier. Ah, lui n'est pas abonné.